Il n'y a pas d'engagement militant quand on prend sa carte ou quand on, même quand on se met sur une liste d'élus CGT. Au départ, enfin, j'en connais peu qui sont venus à la CGT ou alors se sont engagés pour être délégués par engagement militant pour changer la société. Je pense très sincèrement que ça, c'est une construction. C'est une formation. Quand on rentre dans le syndicat, au départ, c'est peut-être parce qu'on a été au contact d'un militant, justement, dans le monde du travail, qu'on a peut-être eu un problème à ce moment-là. Enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent à franchir le pas, souvent, aujourd'hui, de cette manière-là. C'est une formation. C'est-à-dire qu'après, au contact de personnes, de militants, justement, petit à petit, on se forge une idée que cette société-là, elle n'est pas possible et on doit en changer. Et là, petit à petit, on devient militant. Et pour le devenir, il faut avoir et une formation et des rencontres avec d'autres militants qui nous font devenir militants. Après, il commence à connaître un peu des personnes, il commence à vouloir s'engager un peu plus au travers du syndicat de la boîte. Ensuite, il y a tout un cursus de formation militante à effectuer grâce aux formations syndicales qui est pour moi un des axes nécessaires aujourd'hui à la construction militante.